notre dette est payée. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de honte, car Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi, afin que nos péchés soient complètement lavés. Je t'adore, oh
Tu as triomphé et remporté la victoire.
pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Sois ma louange. Et toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oui, sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? C'est de l'impossible. Oui, reçois ma.
tout le monde. Du coup, bah, c'est pour tous les jeunes de 14, entre 14 et 30 ans, juste après le culte. Non, pas aussi. Juste après le culte, il y a réunion de jeunes. Donc, tout de suite après, donc, on va directement manger tous ensemble de l'autre côté. Et après, on reviendra ici pour la réunion de jeunes. Donc, la réunion de jeunes, ça va être juste ici et ça va être sur le thème de la stabilité. La stabilité, donc, de toute façon, on verra à peu près après la réunion de jeunes, mais pourquoi je parlais de ce thème. Y a un point qui est important, c'est que déjà à Romilly, on ne voit pas, mais il y a énormément de jeunes. On voit peut-être qu'il y a beaucoup de lycées, il y a beaucoup de collèges, il y a beaucoup de jeunes à Romilly. Et en soi, si ce n'est pas nous qui allons vers eux pour leur parler de Jésus, c'est qui va le faire? Bien qu'il y a Dieu, tout ça, mais Dieu nous demande d'aller vers les gens. Et si ce n'est pas nous, bah, ils continueront. Et bon, on peut penser que Romilly, c'est une ville calme. Certains pensent que c'est la campagne ici. Alors qu'ici, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de cas graves. Il y a eu beaucoup de... Et les gens ont besoin de Dieu, du Seigneur. Je sais pas. Bon, après, je n'ai pas bien connu ça, mais j'avais déjà entendu qu'à Romilly, il y avait déjà eu un mort à un lycée. J'avais déjà entendu, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est fait agresser. À Romilly, hein, on ne parle pas de Paris, on ne parle pas du 9-7, du 9-2. On parle de Romilly. Il y a un jeune qui se fait agresser. Enfin, ça veut dire qu'en soi, il y a... dans cette ville, les jeunes ont besoin de Dieu. Et du coup, c'est à nous, jeunes, d'aller vers les gens. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'avais un petit verset. Donc, c'est un proverbe. C'est Proverbe 10-25 qui dit... Comme le tourbillon passe, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que, oui, pour aller vers les jeunes, c'est important que nous-mêmes, on ait des bons fondements chrétiens. Parce que, des fois, on veut peut-être aller, mais comme on n'est pas bien fondement, bon, on se laisse plus tenter par les gens de là-bas que... Donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir des bons fondements. Et il y a un autre verset aussi, un dernier verset que j'ai bien aimé dans 1 Corinthiens, bon c'est 15, 57 et 58, je vous lis rapidement, ça fait « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Amen. Bon, je vais vous laisser sur ce verset. Et bah, on se rejoindra tout à l'heure pour la réunion jeune. Amen. Amen. Je suis ici pour les actions de grâce. Et pour ceux qui étaient à l'école de la prière il y a 2 semaines, on avait dit que l'action de grâce était une rivière qui coule, qui nous amène dans la louange, dans l'adoration et qui nous ramène face à face avec Dieu. Et vous savez, quelquefois, on dit merci... juste vaguement comme ça, mais j'aimerais que ce matin vous puissiez fermer les yeux et penser à chaque étape de votre vie. Si vous pouvez juste fermer les yeux, ne me regardez pas, oubliez-moi, parce que je veux vraiment qu'on remercie le Seigneur. Je ne sais pas où vous êtes né, des situations desquelles Dieu vous a délivré, des dangers, des accidents que vous n'avez jamais eu, des maladies que vous n'avez jamais eues. Pensez aux maladies qu'il y a sur la terre. Le nombre de maladies, la liste est longue, qui n'ont jamais touché votre corps. On peut dire merci au Seigneur pour cela. On peut le remercier parce que on a la clarté dans nos pensées. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, leurs pensées sont floues, sont vagues. Ils n'ont pas aucun discernement, mais nous avons parfois, on peut se lever, avoir la clarté dans nos pensées. Mais pensez à votre vie. Des situations où vous pensez ne jamais sortir de là. Des choses par lesquelles vous ne pensez jamais passer et d'où Dieu vous a tiré. Vous savez, David et les psaumes sont remplis d'actions de grâce parce qu'il a passé toute sa vie à se cacher dans les grottes, dans les cavernes, alors que sa vie était en danger, alors que l'ennemi cherchait à fouler sa vie à terre. Et de ces actions de grâce est sorti un chant qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. Et nous voulons nous lever ce matin et remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever
Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que si je suis debout ce matin, c'est par ta grâce. Et si tu te souvenais de mes fautes et de mes erreurs passées, mais qui pourrait subsister? Qui pourrait se tenir devant toi si tu devais te rappeler de nos faiblesses et de nos fautes et de nos erreurs? Mais tu es l'Éternel qui pardonne. Tu es l'Éternel qui oublie nos erreurs, qui oublie nos fautes. Et bien pour cela, nous pouvons te dire merci ce matin. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits dans nos vies. Souviens-toi Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta fidélité Seigneur. Tu es l'Éternel qui est fidèle, qui ne change pas. Les saisons changent, les hommes changent, mais toi tu ne changes pas. L'histoire peut changer, mais toi, tu ne changes pas. Et nous voulons te dire merci pour cela. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tu es le même. Et ta fidélité est un bouclier parce que nous pouvons nous tenir, nous appuyer sur cette fidélité qui nous dit que tu ne changes pas. Je peux changer, mais toi, tu ne changes pas. Nous changeons, mais toi, tu ne changes pas. Et tu ne nous traites pas en fonction de cela, mais tu demeures ce que tu es, fidèle à tes promesses. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour l'année 2023, merci pour l'année 2024 qui a commencé, merci pour le mois de janvier qui s'est terminé, tu as pourvu à chacun de nos besoins, nous n'avons manqué de rien, et nous voulons te dire merci pour le mois de février, merci pour les vies changées dans cette église, merci pour chaque histoire que tu bâtis dans cette église. Merci pour tous les miracles et les prodiges que tu accomplis dans cette église. Et nous te sommes reconnaissants à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dans Malachie 3, verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses menacer les dévoreurs, Papa, pour ceux qui ont des soucis dans leurs finances. Que tu puisses agir, Seigneur Jésus, qu'ils puissent être obéissants et qu'ils puissent comprendre que c'est une grâce. C'est une grâce de donner avec action et c'est une puissance dans l'offrande. Parce que toi, tu t'es donné en sacrifice, tu t'es donné comme une offrande pour nous. Donc je bénis ceux qui donnent et même ceux qui ne donnent pas, Seigneur. Qu'ils comprennent que c'est une puissance qui lâche, qui soit libre, Seigneur. Moi, j'ai combattu ces dîmes, ces offrandes, tu l'as vu Seigneur, tu as vu que j'étais pas radin, mais voilà, j'avais du mal. Mais quand j'ai vu l'obéissance à travers les offrandes, j'ai été béni, puisque jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais manqué de rien. Même si j'ai volé, mais quand je me suis remis droit avec toi, tu m'as jamais laissé, tu m'as jamais abandonné. Merci Seigneur, et que tout le monde soit béni aussi. Amen, soyez bénis. Il est éternellement. Il est éternellement. Il est éternellement.
bénédiction. Place Église. Je vais passer rapidement aux annonces de la semaine. Bonjour avant tout, parce que je ne vous ai pas souhaité bonjour. Bonjour à toute l'Église. Alors, les annonces de la semaine. Alors, avant de commencer, comme vous le savez, on a un site internet. Et tout à l'heure, le pasteur, il vous a parlé brièvement de ce qui se passait sur notre site internet. Que, bien sûr, il y avait toutes nos études bibliques, tous nos cultes, tout se trouve sur notre site internet. www.epiromilly.org. Amen, Église. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties visiter le site cette semaine?
Amen, je vois des mains. Amen, amen, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Continuez à aller sur le site internet. S'il y a des nouvelles personnes, sachez que sur le site internet, vous avez toutes les informations de notre église. Alors, je vais passer aux annonces de la semaine. Alors, sachez que qu'à partir de mardi, ça se passe pour le mardi matin, ceux qui ne sont pas forcément au courant, on est tous connectés sur Zoom à partir de 5h. C'est de 5h à 6h du matin. Sachez que vous êtes les bienvenus si vous souhaitez passer une heure dans la prière avant de commencer votre journée. On est vraiment bénis et on commence la journée avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est de mardi à vendredi à partir de 5h du matin, de 5h à 6h. Mercredi, on a également la prière sur Zoom. C'est de 20h30 à 21h30. Vendredi, on a intercession. Cette fois-ci, c'est à l'église, de 20h à 21h. Samedi, il y a l'école de prière, c'est également à l'église, de 16h à 18h. Dimanche, on a notre culte de 10h à 12h30. Aujourd'hui, comme Raphaël vous l'a dit, il y a la réunion des jeunes. Donc, tous les jeunes de 14 ans à 30 ans, on vous attend. J'espère que vous n'avez surtout pas oublié votre nourriture. C'était très important, votre nourriture. Et ceux qui n'ont pas pensé à ramener votre nourriture, on va vous laisser à peu près 30 minutes pour aller le récupérer. Mais pas plus, parce que sinon, je vais être une gendarme et je vais vous appeler, je vais vous harceler sur vos téléphones. Amen, les jeunes. Amen, les jeunes. Dans Jacques 5, verset 14, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Ce que nous faisons dans notre église, c'est biblique. Pour ceux qui étaient là vendredi, quand nous avons prié, j'ai cité différentes sortes de dons. Il y a parmi nous ceux qui ont le don de guérison. Et on a beaucoup prié pour ça. Et dans ces dons de guérison, on peut prier, on peut lire la parole. Et il y a l'huile d'onction aussi. Cette huile-là signifie tout simplement, on déverse sur la personne la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Peu importe les maladies, tant physiques que spirituelles, avec cette huile d'onction, nous y croyons que Dieu opère. C'est pour cela que nous allons prendre cette huile d'onction pour notre sœur Mathilde. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur, cette huile d'onction, Seigneur, c'est ta puissance, Père. Nous voulons à ce moment, Père, que tu déverses, Seigneur, ta puissance, Seigneur, sur elle, Seigneur. Tu sais de quoi elle souffre, Seigneur. Pose ta main puissante sur elle, que cette maladie quitte en elle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons proclamer qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous sauve. Il y a un seul nom qui libère et il y a un seul nom qui guérit. Amen. Et la parole nous dit que tout genou fléchira devant Jésus. Amen. Toute langue dira.
Change. De maintenant l'atmosphère change.
l'atmosphère change parce que j'ai là. Que l'atmosphère change. Les chaînes sont comme une prière, crois-le. De cet instant, oui, l'atmosphère change. Si tu as des chaînes ce matin, elles peuvent être brisées dès maintenant. Les chaînes de la dépression, les chaînes de la maladie. Amen, amen, amen. Alors, avec beaucoup de calme, nous allons demander aux enfants de suivre Sœur Daphné, Sœur Laurette pour l'école du dimanche. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très, 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 très important. Notre écriture d'aujourd'hui, c'est dans Romains, Romains 7, verset 18 à 23. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis. Ça, c'est maintenant un cri d'alarme. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Est-ce qu'on peut relire ce deuxième paragraphe? Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc le péché a une loi qui contrôle ton corps. Romains 8, verset 1. Merci Seigneur pour ce passage. La Bible dit, il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Seigneur vous bénisse pour reprendre place. Amen. Alors, dites à votre voisin, sortez de la boîte. Amen. Sortez de la boîte pour devenir un vrai adorateur. Sortez de la boîte pour devenir un vrai adorateur. Amen, 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 amen. Alors, je vais faire d'abord un petit rappel d'un enseignement que j'avais enseigné il y a 5 mois. J'avais enseigné la première partie, la deuxième partie, et ça c'est la troisième partie. Donc aujourd'hui je commence par la troisième partie, et je reviendrai plus tard pour faire un rappel de la première partie. Alors, le point A, la première leçon, nous avions parlé de deux mots importants qui sont mentionnés par l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tout le monde dit transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Tout le monde dit discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Vraiment, s'il vous plaît, nous allons aller pas à pas et nous voulons tous comprendre la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse nous ouvrir l'esprit, que nous soyons tous non seulement délivrés de certaines choses, mais libérés une fois pour toutes. Romains 12, 2 nous parle de ne pas se conformer au siècle présent. Se conformer et ensuite être transformé. Dans ces deux mots, il y a le radical forme, vous notez, forme. Partout où vous allez mettre vos pieds, n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, tu seras influencé toujours par quelque chose qui va te donner une forme. Et moi, je ne veux pas qu'on soit comme des caméléons. Quand c'est vert, quand c'est rouge, c'est rouge. Le chrétien doit avoir son identité pour influencer sa génération. C'est-à-dire, moi, je suis la lumière. Lorsque j'arrive dans un endroit où il y a les ténèbres, je ne dois pas éteindre... Oh Seigneur, alors, vraiment, priez pour moi que j'aille jusqu'au bout. D'accord? Il faut que j'aille jusqu'au bout de ce message. Donc, tu ne dois pas éteindre ta lumière pour faire plaisir aux personnes qui sont dans les ténèbres. Parce que Dieu te demandera des comptes, parce que Dieu fait de toi une lumière pour sortir ces gens-là des ténèbres. Maintenant, si toi tu vas à cet endroit-là, tu éteins la lumière, ta lumière pour faire plaisir, le Seigneur te demandera du compte. Je t'avais envoyé à cet endroit-là pour que tu puisses briller. Et toi, tu as éteint ta lumière. Ça sera un grand jugement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, que je garde mon huile, que je garde ma lampe. Seigneur, parce que le monde en a besoin. Le monde ne connaît pas Jésus-Christ. Mais quel privilège aujourd'hui. Dieu te choisit pour faire connaître son nom. Quel privilège. Alléluia. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Il a choisi Paul, il a choisi Pierre, il a choisi Ivana. Il t'a choisi alors que tu ne le méritais pas. Alors que tu étais dans la boue du péché. Il t'a sorti de la boue du péché. Il t'a lavé. Il t'a nettoyé. Il t'a libéré complètement. Pourquoi Jésus-Christ t'a libéré? Pour que tu ailles libérer les autres par la puissance de Dieu qui habite en toi. Sinon, l'Église n'a pas lieu d'être. Puisque Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut tout faire tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Mais quel privilège il a choisi l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire l'Église, vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Pour aller vers les âmes qui sont perdues. Se conformer veut dire
prendre la forme d'eux, être au-dedans, à l'intérieur d'une forme, à l'intérieur d'un système, être influencé et enfin vouloir copier et faire plaisir. Et dis à ton voisin, sois original. Après tu lui dis, je suis original. Tu lui dis encore, je suis ce que je suis. Je ne change pas mon identité. On acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et être transformé signifie aller au-delà d'une forme que le système humain a modelée. C'est être comme Dieu veut que je sois. Aucun système, aucune idéologie peut changer mon identité en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avions chanté pendant plusieurs années, je sais ce que je suis. Amen. Et je marche dans la puissance, dans la révélation, parce que je sais qui je suis. Et la question, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais réellement la puissance que tu as pour impacter ta génération aujourd'hui? Tu as tellement une puissance que tu ne réalises pas. Laisse le Seigneur faire son œuvre dans ta vie. Ça, c'était le rappel de la première leçon. Et la deuxième leçon, la deuxième partie, nous avions parlé de distraction qui influence nos pensées dans le but de nous éloigner de la volonté de Dieu et de notre destinée. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui qui nous éloignent de la volonté de Dieu et de notre destinée. Quelle est la volonté de Dieu? Que je puisse aujourd'hui gagner une âme. Et tu ne peux pas gagner une âme si la lumière de Dieu ne brille pas en toi. Tu ne pourras pas gagner une âme si tu n'es pas un exemple, si tu n'es pas un modèle, si tu n'es pas le sel de la terre, si tu n'es pas la lumière du monde, Jésus-Christ en nous, nous sommes la lumière qui brille. C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Plus de compromis. Alléluia. Vous savez que dans ma vie, j'ai toujours eu peur, les jours où je veux comparaître devant le trône de Dieu, qu'il puisse me rappeler un jour, j'avais mis en face de toi telle, telle, telle et telle personne, et que je vois ces personnes-là sont en enfer. Wow. Dieu me regarde, j'avais mis devant toi telle personne. Telle personne. Pourquoi tu n'as pas eu le temps de leur parler de moi alors que je t'avais visité? Et nous voulons prier dans cette église pour les évangélistes. Nous voulons prier dans cette église pour les personnes qui ont le fardeau et l'amour des âmes. Nous allons prier dans cette église pour les personnes qui ne dorment pas parce qu'il y a une personne qui souffre. Parce qu'il y a une personne qu'on n'a pas vue à l'église depuis un certain temps. Nous voulons prier pour que ces personnes-là soient toujours sensibles à l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur puisse les utiliser puissamment. Alléluia. Et tu es cette personne. Moi, j'ai toujours dit, avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne, il faut que je fasse tout pour toucher chaque membre de ma famille. Je dois donner mon énergie, de toute ma force, toutes mes pensées. Il faut que cette personne-là soit touchée. Par n'importe quel moyen. Mon attitude, mon comportement, ma façon de parler, ma façon de réagir sur les situations, mon calme, le discernement que le Seigneur me donne. Et tout ça, ça fait partie de l'évangile. C'est-à-dire, tu es un évangile vivant. Tu es un évangile vivant et tu es une église ambulante. Alléluia. Tu n'es pas un être égocentrique. Tout est centré que sur toi. Tout est centré que sur ton bonheur. Tout est centré que sur la maladie que tu as. Tout est centré que sur toi. Il n'y a que toi qui compte. Et vous savez,
que Dieu a utilisé certaines personnes dans la Bible qui étaient malades pour aller sauver les gens, pour aller guérir les gens, alors qu'eux-mêmes étaient malades. À un certain moment, je dis, Seigneur, malgré ma situation, malgré ce que je traverse, Seigneur, je vais aller voir mon frère, ma sœur, pour leur parler de l'amour de Dieu. Et vous allez être étonné, un jour, vous allez vous réveiller, vous n'avez plus de bobo. Ben, attends, je suis guéri. Oui, parce que tu as fait premièrement le royaume, tu as fait premièrement la volonté de Dieu. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu as fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu as pris soin de quelqu'un d'autre. Je vous avais dit que nous devons discerner l'origine de nos pensées, car nos pensées peuvent être inspirées, soit par le Saint-Esprit, soit par nous-mêmes, la chair, soit par le diable. Donc nos pensées peuvent être influencées par le Saint-Esprit ou par notre esprit, notre ego, soit par le diable. Prends le contrôle de mes pensées. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, « Je crains que vos pensées se corrompent. Je crains que vos pensées, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Tout se passe dans notre cerveau. Tes pensées sont ta personnalité. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu te poses des questions, comment on sait que le diable contrôle ta vie? Parce que ce que tu penses, ça se traduit par rapport à ce que tu fais, ce que tu dis, ce que ta chair fait. Et je comprends tout de suite l'esprit qui t'anime, le démon qui t'anime. Lorsque tu parles avec cette colère pour détruire quelqu'un, je sais quel démon qui t'anime. Lorsque ton esprit est pervers, tu regardes les femmes, tu regardes les formes des femmes, je sais quel esprit qui t'anime. Et je sais comment le diable va te détruire. Je sais. Lorsque tu regardes des films pornographiques, je sais quel esprit qui t'anime. Lorsque tu bois, lorsque tu fumes, lorsque tu es dans la drogue, je sais quel esprit qui t'anime. Parce que ce que tu as à l'intérieur, nous, on le voit à l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Personne d'entre nous ici, mes frères et sœurs, ne peut dire que je maîtrise. Si tu maîtrises ce que tu es Dieu. Parce que la Bible nous dit de fuir le péché. Si tu vois une situation devant toi, la première arme que Dieu nous a donnée, c'est fuir. Tu ne peux pas dire non, je reste là parce que je maîtrise, parce que... En fait, lorsque tu dis que je suis habitué, en fait, tu es en train de dire aux gens que je suis possédé. Tu es en train de dire aux gens, tu es en train de dire ouvertement aux gens que je suis possédé. Je suis habitué de regarder le film pornographique. Je suis habitué de boire de l'alcool avec ces gens-là. Je suis habitué de... Tu es en train de dire aux gens, tu es en train de crier, aidez-moi. Délivrez-moi. Je n'arrive pas. Peut-être tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu as la volonté d'arrêter, mais as-tu le pouvoir de l'arrêter? Le pouvoir ne viendra jamais de toi. Le pouvoir viendra lorsque tu es submergé, enveloppé, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te permettre de sortir de cette situation. C'est ça que j'ai mis mon titre, sortez de la boîte, de ce confinement. Tu es habitué, tu vois cette personne qui est tout le temps dans les ténèbres. Finalement, tu t'es habitué. Et le jour où il y aura la lumière, la première chose, ta réaction, ça sera comment? C'est la première réaction.
Et c'était pareil dans la Bible. Lorsque Dieu se manifestait, les gens faisaient ça. Lorsque Jésus-Christ a parlé à l'apôtre Paul, la première chose, l'apôtre Paul, il est devenu même aveugle. Parce que le péché habite tellement en nous et on ne peut pas supporter la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça qui va faire ton identité. La présence de Dieu, c'est ça qui va sauver ta famille. La présence de Dieu, l'amour de Dieu. Ce ne sont pas nos paroles. Ce n'est pas parce que je suis bon. Ce n'est pas parce que je suis gentil. C'est juste parce que j'aime Dieu et j'aime la parole de Dieu. Alléluia. C'est parce que j'aime Dieu. Aide-moi, Seigneur, à comprendre cette dimension spirituelle où moi-même, je ne peux pas maîtriser. C'est ça. Donc, tu ne peux pas maîtriser une dimension spirituelle dans le lieu élevé. Tu ne peux pas. Parce que là, c'est Dieu qui contrôle tout. Frère Antonio a parlé ici le témoignage. Philippe est sorti de là jusqu'à l'évangéliser l'Éthiopien. Est-ce que c'est lui qui a planifié ça? Non, ce n'est pas lui qui a planifié ça. C'est l'Esprit de Dieu. Le plan de Dieu. Alléluia. Cette dimension spirituelle permettra à ce que cette église soit remplie. Mes frères et sœurs, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il n'y aura plus de place ici. Parce que tu vas évangéliser une seule personne. Et nous sommes aujourd'hui 120, je pense. Et si demain tu gagnes une seule âme, on sera 240. On aura le problème. Il faut qu'on rajoute des chaises, comme à la mobilisation des femmes. On était 260, 270. Et moi, je pense que c'est un vrai problème, un problème que nous voulons que ça arrive dans cette église. Pourquoi? Parce que la croissance te poussera à grandir aussi. Parce que je te demanderai, sur Katina, tu vas prendre soin de 10 personnes. Ah, pasteur, moi, oui, toi. Toi, tu es baptisé, oui. Tu es rempli du Saint-Esprit, oui. Tu connais Jean 3,16, oui. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça suffit pour aller évangéliser. C'est tout. Tu n'as pas besoin de verser dans le livre d'Apocalypse, Ézéchiel, non, juste Jean 3,16. Et tu donnes tout ce que tu as reçu de Dieu. Et les gens vont venir à l'église. Et ce que nous voulons, et ça va se passer dans cette église. Alors il explique que nos pensées sont le siège de tous les conflits. Nos pensées sont le siège de tous les conflits. Satan veut posséder tes pensées et les anges de Dieu veulent aussi posséder, prendre le contrôle de tes pensées. Et tu as en toi, dis à ton voisin, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Dis à ton voisin, tu as l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est de faire. Le pouvoir de l'homme, c'est quoi? C'est choisir. C'est à toi de choisir. Soit de marcher avec Christ, soit de se laisser influencer par le monde. Ne dis pas non, j'étais tellement distrait et je n'ai pas vu les choses venir. Non, laissez-moi vous dire, Dieu avertit toujours ses enfants. Dieu avertit toujours ses serviteurs, les prophètes, pour que les prophètes avertissent ses enfants. Jamais Dieu va te laisser tomber sans que tu sois averti. C'est impossible. Sinon, nous ne servons pas un Dieu qui est amour. Dieu aime tellement les gens. Il va utiliser tous les moyens pour t'avertir qu'il y a une tempête qui arrive. Il y a une tornade qui arrive. Il y a un ouragan qui arrive. Même dans le monde, il y a des signes qui accompagnent. Voilà, il y a une vague qui arrive. Il y a des signes qui accompagnent ça. Et nous devons discerner. Tu sais, Mathilde, il y a des gens qui disent, parce que je suis tombé par hasard. Vous êtes sûr que vous êtes tombé par hasard? Vous êtes sûr qu'il y a 2 ans, quelqu'un n'avait pas prêché sur ta situation? Un prophète avait... Tu es sûr que tu n'avais pas entendu un chant qui parlait de ta situation? Tu n'es pas tombé par hasard. Tu as écouté un chant de louange quelque part
Et ce chant t'avait averti. Mais le problème, comme tes oreilles ne sont pas sanctifiées, tes oreilles ne sont pas purifiées, c'est que tu n'as pas saisi le message de Dieu. Sanctifie mes oreilles, comme dans l'Ancien Testament. Sanctifie mes mains, sanctifie mes pieds. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. C'est impossible d'adorer Dieu si tu ne comprends pas qui tu es réellement. Tu ne peux pas adorer Dieu. On va voir un corps qui est là, mais c'est un corps qui est mort. C'est un corps qui fait des gestes, mais ce n'est pas un corps qui est en intimité avec Dieu dans l'adoration. Parce que la vraie adoration transforme l'intérieur et l'extérieur. La vraie adoration. Change-moi, Seigneur. Change mon comportement. Change mon attitude. Ah, je suis là à l'église parce que j'ai vu comment Frère Tessier louait le Seigneur. Et il est toujours joyeux, ce frère. Vous savez, il y a des gens qui restent à l'église à cause d'un frère, à cause d'une sœur. Ah oui, je vais dans cette église. Waouh, j'aime beaucoup comment ce frère tape ses mains. Ah oui. Moi, je suis resté à l'église. J'étais resté à l'église de Melun avant de venir ici, grâce à la chorale. C'est pour ça que je crois au ministère de la chorale. Parce que vous êtes une armée, vous êtes des lévites. Vous préparez le terrain pour la prédication. Vous avez, là, je me sens à l'aise parce que la chorale a chanté. Je me sens à l'aise. Mais il y a tellement de combats si l'église n'arrive pas à entrer dans cette dimension d'adoration. Moi, je ne pourrais pas prêcher. C'est ça, vous avez remarqué qu'il y a certains pasteurs qui savent chanter, qui ont de belles voix. Avant de commencer à prêcher, ils chantent. Il y en a qui prennent beaucoup de temps. Parce que vous savez ce qui se passe? Parce que ces pasteurs-là, ils ressentent que non, ben, les gens, l'église n'est pas encore brisée. Mais tant que l'église n'est pas brisée, la parole ne pourra pas pénétrer. Alors ils chantent. Après, à un certain moment, voilà, les cœurs des gens sont préparés. Après, ils délivrent la parole de Dieu. Et moi, je compte sur la chorale. Jusqu'à ce que le Seigneur va donner une belle voix. Amen. Maintenant, dites à votre voisin, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, puisque je vous parle de la boîte, ici, je voudrais mentionner que notre cerveau est une boîte dans une autre boîte. Je vais m'expliquer, hein. C'est-à-dire, notre cerveau est une boîte dans une autre boîte. Notez ça. Qui connaît les neurosciences? Alors, les neurosciences, c'est une étude du système nerveux et enseigne que le cerveau n'est pas une boîte réactive en son environnement, mais c'est une boîte qui rétro-agit sur des faits provenant d'une source externe. C'est-à-dire, notre cerveau rétro-agit sur des circonstances ou conséquences antérieures. Je vais expliquer un exemple. Quand nous marchons dans la rue, une publicité attire par exemple notre regard. Quels que soient les produits ou les services décrits, notre attention est attirée et notre esprit automatiquement est arrêté. C'est-à-dire, lorsque tu vois une pub, tu seras attiré par quelque chose. Alors moi, je suis un graphiste. On nous a toujours dit que lorsque tu fais une affiche, ce qu'on voulait que les gens voient en 30 secondes, tu es en voiture, tu es en train de rouler, il y a un panneau publicitaire. Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient en 30 secondes?
Et là, tu vas mettre ça en rouge et ça doit être très explicite. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui attirent nos regards. Lorsque je mets une chaussure, bon, je serai moins attiré par ça. Mais lorsque je mets une femme à moitié nue, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des accidents comme ça. Et j'ai vu un couple se disputer parce que le gars regardait même le rétroviseur. Pourquoi il est attiré par quoi? Par cette image qui stimule son cerveau. Alors qu'il était endormi, dès que le gars a vu le panneau plusieurs, son cerveau se réveille. Vous comprenez? Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, cette image va rester dans ton esprit. Et comme tu as vu cette silhouette tellement parfaite, tellement magnifique, tellement merveilleuse, et lorsque tu rentres à la maison, la première chose, chérie, j'aime pas ta coiffure. Est-ce que tu peux changer comme ça? Est-ce que tu peux te tailler comme ça? Arrêtez ces choses-là. Tu l'as aimé comme ça. Tu dois continuer à vivre avec elle comme ça. Lorsque vous aurez des rides, tu dois l'aimer comme ça. Lorsqu'elle va grossir, tu vas l'aimer comme ça. Lorsqu'elle va maigrir, tu vas l'aimer comme ça. Arrêtez de faire souffrir, arrêtons, je mets dedans, de faire souffrir nos femmes, parce que nous voulons les tailler comme ça. Tailler comme ça. Non. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu avais vu quelque chose, tu as vu une image. Retouché, Photoshop. Hollywood. Rêve. Mais laissez-moi vous dire, ces gens-là souffrent avec leurs sous, avec leur beauté, avec leur richesse, avec leur maison. Ils souffrent. Non, le vrai amour, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça le vrai amour. Ça, c'est le vrai amour qui ne changera jamais. Jamais. Notre esprit est condamné. Il n'est plus libre. Vous comprenez pourquoi nos pensées ne sont presque jamais les nôtres. Nous sommes toujours influencés par quelque chose. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être influencé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia, j'ai fait mon choix. Influence-moi, Seigneur. Alléluia. Trop souvent, elles ont été introduites en nous par des sources externes et nous les avons acceptées d'une façon passive. Bon, c'est arrivé, hein. Mais tout le monde le fait de toute façon. Il n'y a pas de mal. Je peux juste goûter. Mais non, toi, tu es chrétien. Oui, Enoch. Les gens disent ça. Juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, mais tu ne vas pas mourir. Mais ça commence toujours par une petite graine. Et toi, tu ne le sais pas. Cette graine est entrée. Un jour, cette graine va commencer à travailler en toi. Et tu as dit, mais il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Oui, la graine travaille. je rigole, mais je suis triste, c'est sérieux. Un jour, tu vas voir cette plante germer. Je dis, mais attends, moi je ne voulais pas de ce fruit. Ah bon? Ben, c'est ce que tu avais planté. Non, moi je ne voulais pas de ça. Mais c'était quelle graine en fait? Tu ne te rappelles pas que toi-même tu avais planté cette graine-là. Et imaginez, si les racines maintenant sont profondément ancrées, enfouies, pendant 10 ans, pendant 15 ans, et les jours tu vas te rendre compte, tu vas mettre combien de temps encore pour tout déraciner? Maintenant tu peux venir à l'église, hein? Tu coupes juste sur la surface. Hein? Nous on voit, ah oui c'est bon, il a fait un travail. Mais non, il y a encore des racines. Il y a encore des racines que tu dois couper. Est-ce que je peux prêcher? Oui, pasteur, j'ai nettoyé mon profil Facebook.
J'ai nettoyé mon profil Instagram. T'es sûr que t'as nettoyé? Est-ce que tu ne m'as pas bloqué? Il y a une différence entre nettoyer et bloquer les gens. Nettoyer pour moi, c'est fermer ta page. Tu fermes ta page et tu détruis toutes les images et les vidéos qui vont te compromettre demain, qui vont t'amener en enfer. Non seulement toi, et tu vas amener les autres en enfer. C'est du sérieux ce qu'on est en train de dire ici. Jésus-Christ, il reproche les pharisiens. Vous-même, vous n'arrivez pas à entrer au ciel et vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Les conducteurs aveugles. Le péché, il faut le détruire à la racine. Dieu dit à Saül, extermine! Lui, il a gardé. Oh non, c'est pour faire plaisir, on va faire un holocauste, on va un gigantesque, Dieu sera content. Non, Dieu dit, extermine cette nation. Il parle au roi Saül. Samuel, extermine. Lui, il a gardé. Les gens, le roi qu'il avait gardé, après ils ont eu des enfants. Après, ils sont devenus les ennemis d'Israël. Comprenez? C'est-à-dire, tout le péché que tu gardes aujourd'hui, ça va se retourner contre ta future génération. Et Dieu te dit, extermine, détruis, brûle, ne garde rien. La pureté dans mon cœur, la sainteté permettra à ce que tu sois un vrai adorateur. Tu ne peux pas adorer Dieu alors que tu vis dans l'adultère, l'impudicité. Après le baptême, tu n'es pas marié, tu ne dois pas coucher avec les filles, ni avec les garçons. Après le baptême, tu es une nouvelle créature. Si tu couches avec les filles, avec des garçons, tu arrêtes de servir à l'église. Tu mets un interdit à l'église. Tu arrêtes de servir pour aider les autres. Humblement, tu arrêtes de servir. Tu viens, tu parles. On ne veut pas de feu étranger à l'église. Nous voulons marcher dans la sanctification, dans la pureté. Parce que notre Dieu est saint. Et il nous dit, soyez saints car je suis saint. Aucune église n'ira au ciel si on est là. Merci Seigneur pour la louange. On a une belle église. Mais ce n'est pas ces murs-là qui iront au ciel. Ton âme sera jugée. Et tu seras seul. Sœur Pauline sera seule. Et moi, je serai seul. Je ne dirai pas, Seigneur, attends, je vais appeler Sœur Pauline. Elle va témoigner à ma place. Non! Tu seras seul devant le trône de Dieu. Seul devant le trône de Dieu. C'est pour cela ici, le message le plus puissant, le message d'amour, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez que je vous caresse, je vais vous dire, je prophétise. Demain, tu auras un travail, tu vas te marier et je vois une voiture. Le Seigneur m'a montré une voiture. Je vois une voiture quelque part, bleue. Non. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu. Dieu nous a promis que si nous nous approchons de lui, tout le reste suivra. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Non. Nous sommes déjà des millionnaires. Nous sommes déjà des... Ah oui, parce que nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Je n'ai pas besoin de courir après toutes ces choses. Moi, je dis, Seigneur, Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. C'est tout. Dieu lui a donné non seulement la sagesse, Dieu lui a donné aussi les richesses. Lui, il a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné tout le reste. La croissance de l'Église, c'est tellement un privilège. Vous imaginez, la croissance de l'Église dépend de toi. Waouh! Moi, qui suis-je? Donc, toi, tu es un vase, tu es un instrument entre les mains du Seigneur, tu es un arbre pour que les gens viennent manger. Ah, wow. Tu es une source d'eau. Lorsque les gens ont soif, ils viennent boire. Quel privilège! Et Christ, en toi, tu es le pain de vie. Tu leur donnes à manger.
La nourriture fraîche. Pas la nourriture qui est restée longtemps dans... La nourriture fraîche. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous reproduisons automatiquement ce qui a été introduit dans notre système. Et notre esprit rétro-agit. C'est pour cela que nous devons rester en connexion avec le Saint-Esprit pour nous aider à discerner ce qui est bon. La connexion avec le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien, ni de discerner l'influence du malin sur nous. Donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons donc deux natures, deux forces qui se battent pour avoir le contrôle de nos pensées. Si je comprends comment l'Esprit de Dieu opère, je me concentrerai à cela et je serai finalement l'esclave de la justice de Dieu, c'est de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me contrôle. Si je ne sais pas comment le diable opère, je vais faire des erreurs. Parce que pour moi, je pense que c'est bien ce que je fais. Mais le diable est derrière ça. Et ici, je ne vous ai pas dit d'aller étudier les démons et tout ça. Je vous dis seulement de comprendre que... Oh, c'est bien, aide-moi. Mais venez-vous, vous comprenez pas. Venez-vous, vous enseignez. Arrêtez avec vos péchés. Nous avons donc la bataille entre l'esprit et la chair, entre la révélation et les circonstances. Donc nous avons cette bataille entre l'esprit et la chair, entre la révélation et les circonstances qui nous entourent, entre la grâce et la loi, entre la parole de Dieu et le monde. Donc je répète, nous avons donc cette bataille entre l'esprit et la chair, entre la révélation de qui est Jésus-Christ, la révélation du nom, de la puissance de Dieu, et les circonstances de la vie qui peuvent nous garder là où nous sommes. Entre la grâce de Dieu et la loi, la grâce de Dieu, c'est la miséricorde, et la loi, c'est la condamnation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, si vous et moi, nous étions dans l'Ancien Testament, le feu peut descendre tout de suite, nous brûler. Et aujourd'hui, tu as la grâce de Dieu. Sois reconnaissant de cette grâce que tu as reçue. Gratuitement. Cette grâce qui est illimitée. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien donné. Donc nous n'avons rien envié au monde. Il ne faut pas envier le monde. Il y a beaucoup de souffrance là-bas. Il y a beaucoup de peine là-bas. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il y a beaucoup de crimes. Nous avons besoin de la simplicité. Seigneur, je t'accepte tel que je suis, Seigneur. Viens dans ma vie, entre dans ma vie. Après ton baptême, c'est fini cette vie, jadis, où tu étais contrôlé par les esprits qui te poussaient à commettre des actes immoraux. Maintenant, tu es en Christ, ta vie doit changer. Ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est un travail, c'est une relation entre toi et Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas venir te forcer parce que tu as une volonté, tu as le pouvoir, on appelle le pouvoir de l'homme, de dire oui ou non. Tu te rends compte, tu peux dire oui à Dieu ou tu peux lui dire non. Tu peux dire oui à Satan, tu peux lui dire aussi non. Et le choix que tu vas faire va déterminer ta destinée, soit le ciel
ou l'enfer. Maintenant, résultat, c'est quoi? Qui t'a envoyé en enfer? Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Parce que, en réalité, le diable, après ta nouvelle naissance, n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi parce que, tout simplement, sur le mont Golgotha, le lieu du crâne, Jésus-Christ a écrasé sa tête. Même s'il nous a mordu un tout petit peu, mais nous avons écrasé sa tête. C'est-à-dire que tu as le pouvoir sur lui et sur tous les démons. Comme la Bible dit, rien ne pourra nous nuire. Exerce ce pouvoir que tu as. Que ta maison soit une maison de prière. Que ta maison soit une maison où on, lorsqu'on vient dans cette maison, on est guéri. Il y a la présence, la puissance de Dieu dans cette maison. Ne laisse personne envahir ta maison. Personne. Oui, faites comme chez vous. Non. Chez moi, faites comme chez moi. Faites comme chez moi. Chez moi, on fait quoi? Avant de manger, on prie. Avant de dormir, on prie. Lorsqu'on se réveille, on prie. On a une dévotion avec toute la famille. On ne regarde pas des films pendant 3 heures, 4 heures. Notre esprit est tellement rempli, pollué par toutes ces choses. Regardez pourquoi vous n'exercez pas votre parler en langue. Parce que votre esprit est tellement conditionné par des films, par plein de choses. Et tu ne peux pas parler en langue alors que ton esprit n'est pas là. Parce que le parler en langue, c'est spirituel, c'est dans ton esprit. Donc tu exerces ton esprit avec l'adoration, avec la louange. Et après, tu vas voir que l'esprit d'adoration et l'esprit de louange va tellement t'envahir. Et tu seras en connexion avec Dieu pour l'adorer facilement. Amen. Donc on va s'arrêter là, on acclame le Seigneur. Amen. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange et l'honneur. Je vous aime beaucoup. Amen. Et aujourd'hui, je pense que nous avons tous compris l'essentiel que mon esprit, mon corps et mon âme appartiennent au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons partager la Sainte Cène. Il y a une lecture à faire, donc rapidement. On va faire la lecture et on va passer à la Sainte Cène. Nous allons faire une lecture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11 du verset 17 au verset 30. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y en a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps
et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Prions. Père éternel, encore une fois, merci pour ce message ce matin, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour nos fautes, pardon pour nos iniquités, pardon, Seigneur Jésus, si je suis un frein pour la croissance de ton Église. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, si je suis un interdit, Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés, Seigneur Jésus. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes offenses, Seigneur Jésus. Purifie-nous ce matin, Seigneur. Purifie nos cœurs ce matin. Purifie nos mains ce matin qui se lèvent devant toi, Seigneur Jésus. Purifie nos lèvres. Purifie nos yeux, Seigneur Jésus. Que nos yeux se détournent de ces choses mauvaises. Que nos oreilles soient purifiées ce matin par ton sang. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons que cette parole que tu pénètre nos cœurs ce matin. Nous voulons pas que nos cœurs soient endurcis, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta voix ce matin. Change-nous, transforme-nous, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Transforme-nous, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne à ton Église, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus, te prier pour le pain que nous allons partager ensemble. Nous voulons, Seigneur Jésus, discerner ton corps. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait sur la croix pour nous, Seigneur Jésus, à Golgotha, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, te dire merci encore une fois pour ce que tu as fait pour nous, pour ton sang qui a coulé pour mes frères, mes sœurs ce matin, Seigneur. Merci, bénis ce repas ce matin, bénis ce pain, bénis ce jus que nous allons boire ensemble et nous voulons discerner encore une fois ton corps qui a été meurtri pour nous. Merci Seigneur, amen. Que les personnes qui ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ s'approchent. Nous allons partager le repas du Seigneur. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À
Yeah.